Monsieur Le Foll, vous parliez à l'instant, à juste titre, de la tradition de l'industrie agroalimentaire dans le bassin de Brive. Il y a notamment une entreprise qui a fermé il y a quelques mois, qui s'appelle Euralis. Des gens qui avaient des compétences qui pourraient peut-être vous intéresser. Est-ce que ça a été au cœur des discussions avec l'agglo de Brive? Est-ce que vous pourriez éventuellement être intéressé par ces personnes? Oui, nous pourrions être intéressés par des salariés qui étaient chez Euralis à Brive. Et pour tout vous dire, nous avons démarré les discussions entre la cellule de reclassement, les personnes qui s'occupent de la reconversion de ces salariés. Et nos propres services. Donc j'ai bon espoir que plusieurs nous rejoignent.